Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Oui, le micro, je vois que ça fonctionne. J'espère que ça va. J'ai encore un bordel. J'étais en train de chercher après mon téléphone. Sais plus ce que je fais de mes affaires, c'est... Voilà. L'horreur. Ça va, Macalina? Par contre, ce qui m'énerve avec le truc, là, la playlist, il me lit les trucs dans l'ordre, j'ai l'impression. Et je voudrais que ce soit en aléatoire, en fait. Mais il n'a pas envie, le gars. Je sais pas pourquoi. Va falloir que je voie si je peux faire cette playlist sur une autre... un autre truc. Ça va. J'ai été chercher les derniers cadeaux de Noël. Bah, je m'y suis pris trop tard, hein, bien entendu. J'ai pas trouvé ce qu'elle voulait, la petite. Mais j'ai été à King Jouet. Déjà, tu n'avais pas fait gaffe, ça ouvre qu'à 10h. Donc j'étais à Cultura en attendant. Mais bon, Cultura, il n'y a rien. Mais alors? Il n'y a rien. Si, j'ai trouvé un livre, mais pas un livre de colo. Parce que le livre de colo, ils avaient deux exemplaires du 300. Enfin, je trouve c'est sans rayon basique, c'est mal, c'est moche. Voilà, faut dire les choses. Et à part du Basse-Fort, de les trucs basiques moches, il y a des Disney, ouais, Hachette Rose, mais il n'y a rien de ouf, quoi. Et bah bien entendu, pas de Pentel hybride, hein. J'ai cherché, mais les rayons stylos, quoi, ils sont vides, mais alors. Et j'ai été voir les pastels Grasse et Neulier, voir si c'était toujours la même merde, et c'est encore pire qu'avant. Ils ont essayé de mettre une petite protection, mais je sais pas si j'ai. Vous allez réussir à voir. Mais ils les ont mis en sachet. Des petits sachets zip, je dirais. Mais alors, ça fait moche. Oui, c'est des sachets zip. Je sais pas si vous allez voir du coup. Non, moi je veux de la luminosité, s'il te plaît. Merci. C'est en sachet zip. Dégueulasse. Voilà. Mais ça n'empêche pas les gens d'appuyer. C'est dégueulasse. Ou à moins qu'ils aient mis. Les pastels qu'ils avaient déjà abîmés dans des sachets, tu vois. Mais c'est dégueulasse. Ça donne vachement envie d'acheter, quoi. Et centre culturel d'éclectisme. Non, j'ai pas. Il y a très. Y a... Au début que je suis arrivée sur Amiens. Il y avait le Leclerc culturel, mais il n'est pas resté très très longtemps. Puis c'est pas vraiment mon coin, hein, donc. Et en ville, on a bien Martel avec un Dalb au-dessus. Mais à part du Polychromos, voilà, les Faber-Castell, il y a, mais il va même pas y avoir les Derwent Intense à l'unité, les trucs comme ça, il n'y a pas. Oui, heureusement, je parle de Taz. Ouais. Non, puis le Leclerc à côté de chez moi, non, il y a juste des petits bouquins par-ci par-là, mais non, il n'y a pas de trucs culturels. Non, malheureusement. Ça fait du bien un petit café, là. Oh. Du coup, hier soir, j'ai continué voilà, le côté femelle, hein. Voilà, j'ai bien mis femelle parce que. Ouh, c'était pas clair hier, hein, mais. Oh non, oh non, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là 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 là. Je fais que des conneries. En ce moment, je suis j'ai level up au niveau des conneries. Est-ce que j'ai une gomme Parce que celle-ci, elle est vraiment dégueu. Oui, j'en ai une là. Voilà, magnifique. Salir sa feuille avec une gomme. Voilà, ça c'est fait. J'ai beau changer la pile, j'ai l'impression que le moteur, il est toujours très... je sais pas. La Derwent... La Tiwu que j'avais avant, j'avais l'impression qu'elle fonctionnait quand même mieux, mais bon, elle n'a pas fonctionné longtemps. Une chute et c'est mort.
Mon chien vient de tout dégueulasser. Oh là 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 là. J'avais peur pour Bella. Doutou qui me fait, oh, t'as remonté la litière. Je lui fais, bah non, elle est dans ma voiture. Ah bah tu lui feras sa litière. Ouais, bah du coup, bah, je l'ai fait en rentrant là tout à l'heure. Ça va, elle a pas pissé sur mon lit. Il me dit, ah oh, mais je devais déjà lui faire, j'avais fait qu'avec un fond de sac. Bah oui, bah si tu me le dis pas les choses, je peux pas le savoir. Alors 47. On va ranger un peu. 32-3. Ouais, j'aimerais bien finir bah, cette deuxième partie aujourd'hui, que je puisse bah, du coup commencer le colocation. Et après, ça serait bien que je fasse. Cendrillon. C'est elle qui va faire. Hop, allez, toi. Allez. Oh. Hop, Jelly Roll. Faut que je fasse l'envoi à Fifine aujourd'hui. J'ai rechangé un peu mon OBS pour avoir un chat un peu plus grand, du coup. Voir ce que ça donne. Je sais pas si j'enlève ça, il y a moyen que je tire ça jusqu'en bas. No more guessing nowhere. Je peux pas l'avoir sur toute la longueur, c'est pas possible. C'est dommage. Tu consommes. Non mais là ça m'a. Ça fera du travail pour Conchita. Ah, l'aspi robot, oui, c'est vrai. Le fameux robot à 1000 boules. Le fameux robot à 1000 euros. C'est mieux. Bon. Fermez mon truc, du coup. Ça va, Liam, il a pas vu que je l'avais piqué. C'était, ouais. Voilà. Donc là, ça va être lui. Partir dans les roses. Jadou qui est rentré avec un autre doudou hier soir. Elle avait le sien plus un autre. Mais comment expliquer? C'est un doudou qu'elle avait depuis un temps. Et là, du coup, elle a vu la petite fille avec le doudou. Elle a dit que c'était le sien. Et coucou Mello. La chuche, la chuche, la chuche. Tout synchro et la chuchu, la chuchu, la chuchu. Donc elle est rentrée avec un deuxième doudou. Elle a dit à la petite, non mais c'est le mien, alors que c'était pas le sien finalement. Mais moi j'ai eu un doute quand j'ai récupéré la petite. Je lui ai fait, mais t'avais pris un deuxième doudou et tu me l'as caché ce matin que je lui fais. Mais en fait quand je suis rentrée j'ai vu l'état du doudou. Je me fais, c'est bizarre. Les siens ils sont en état neuf. Oh là là. Oh, j'ai peur. Oh mon Dieu. Coucou Sourtni, comment ça va? Ouais. Vous aimez l'orange? Il n'a pas l'air en très bonne santé. Ça va aller.
Du coup, bah, je vais ramener le doudou ce soir. Et je sais pas si on a encore les anciens. Parce qu'elle avait, quand on a rangé sa chambre, on avait fait un gros sac avec tout ce qu'elle voulait plus, machin. Puis donc, ils doivent être dedans, ces doudous-là. Des licornes. Le fameux doudou que papa voulait qu'elle prenne, mais qu'elle n'a jamais voulu. Et là, comme par hasard, elle le prend à sa copine. Ça va les filles. Il a déjà la gastro alors que les fêtes n'ont pas encore commencé, c'est ça. Puis l'autre, Lucienne, elle est à côté, elle est trop contente. Lol. J'ai bien avancé du coup hier soir, j'ai fini. Mais je regrette d'avoir mis du bleu là finalement, parce que c'est le côté fifi, j'aurais dû mettre que du rose partout. Mais bon, c'est fait. Du coup, la double crête. Non, ça c'est ses oreilles. Ouais, si. Ça c'est sa deuxième oreille. Essaie de rajouter une couleur pour faire du violet. Non, ça va, je vais pas pouvoir mettre le violet en fond. Qu'elle soit violette et bleue, c'est ça? Ou sinon, faut que je bloque. La couleur, mais qu'il y a juste les taches qui changent. Non, c'est pas ça. Ah, je sais plus quelle couleur c'était du coup. Attends. Ah, c'était vert, d'accord. Vert. Et là, l'orange, on le change en violet. J'ai des moucherons, je n'en peux plus de vous. Hein? Monsieur m'a demandé d'acheter des trucs à mouches, là. Mais pas bien sûr, c'est des moucherons, ils vont pas dessus. Mais qu'est-ce qui me saoule, ces putains de moucherons? Ils remontent par les canalisations, je n'en peux plus. Je vais les buter. Je sais pas comment, mais je vais les buter. Dégage! Saleté. Parce que du coup, c'est la pattern qui est bloquée. Il faudrait que je débloque la pattern, que ce soit la pattern qui change. On va faire un test comme ça. Je vais bloquer la couleur. Je vais leur mettre. Je sais pas trop. Pour tes cadres, pour qu'on. Tu faire l'inverse, rose, bleu, rose, faire partie. Ouais. Ouais, là, je vais faire bleu, bleu, puis la rose. Ouais. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Coucou, Sorette. Comment ça va? Essaye de rajouter une. Ah, là, dans le cadre bleu, j'étais en train de partir sur la. Sur Simone, moi. Lol. Oui, bah, je sais, mais il a la gastro. Never be. Non, je touche pas. J'ai pas touché. And leave me on alone. Désolée, je suis sur la tablette, elle raconte ce qu'elle veut. Allez. Now is the time to cry.
C'est ouvert derrière, on est d'accord là. Ouais, c'est des bus. Hein. Sa dent est chelou quand même, on dirait une langue. Hein. En dessous, c'est rose foncé. People told me. J'ai des paillettes de sortie, des paillettes, des paillettes, des paillettes. Bon, je peux ranger les bleus du coup. No, I have to say. Oh, no. No chance, Amy. Ouais, du coup, j'ai quand même bien avancé hier soir sur le. J'étais en train de regarder le live de Karen. Ça me confuse. J'ai vu un crayon tomber, j'ai pas rêvé. Et ici. C'est bon, il y a un tapis qui a amorti la chute. Ne tapez pas. Aïe! Ça va sans plus? Oh. T'as déjà ouvert calendrier? Non. J'allais même oublier aujourd'hui. C'est pour te dire. J'avais déjà allumé le PC et tout. Je me fais. Ah, mais il y a une case aujourd'hui. 87. Oh, oh non, on va les ouvrir et puis il faut que je vous montre ce que j'ai pris à. Bah, voilà, ce que j'ai pris ce matin. Ce que j'ai acheté. Enfin, ce que Doudou a acheté. Parce que le loyer est passé. Et j'ai rien vu de la sécu encore. 132, 133. Ouais, ça. If you up. 15 visionnages, bravo madame, bravo, bravo. If you cry, say goodbye. Comment ça va, Tasse? Range un peu parce que c'est un peu le bordel. Après, j'ouvre les calendriers de l'avant. 62. Parti depuis 8h, rentré à l'instant pour repartir à 13h30. Ah oui, non mais. Ouais. Ça, j'aime pas sortir. En 64. 64. En 80. Non. Compliqué, just the way it goes. Oui, tu peux râler. Et puis tu repars cet après-midi. Après, tu ramènes la petite. Puis après, t'as encore rendez-vous. So good. C'est pour ça, quand pour le psy, ils m'ont proposé du visio, je fais oui. No, y a un luminance qui se balade là. Je t'ai vu. Je t'ai attrapé. Jade, elle a encore toussé toute la nuit. J'espère. Mais c'est bizarre, c'est que la nuit qu'elle tousse. Dès qu'elle a allongé, elle tousse. Vingt-et-un. Allez, le 21 est ici. Là, ça me fait chelou à la gorge. Comme si j'avais peut-être une erreur d'estomac ou je sais pas. Pourtant, j'ai rien, quasiment rien mangé là. C'est les bronches?
Eh ben, je le redonne ce soir, le doudou. Mais je me fais, c'est bizarre. Oui, il est abîmé. Le sien, il est en état... Les deux siens, ils sont en état neuf. Elle a jamais... Elle a jamais voulu les prendre. Puis là, comme par hasard, elle le sortirait. Je me fais, c'est bizarre. Donc ouais, je le ramène ce soir. Mais bon, c'est pas son doudou doudou. Est-ce que j'ai compris la petite, hein. C'est juste une peluche comme ça. Donc c'est pas encore très, très grave. Je le ramène ce soir. La Tsem m'a pas dit que c'était. Voilà. C'est encore trop bas. Bon, je vais voir si la semaine prochaine ça continue. Je vais l'emmener. On est le 12. 13. Neuf, c'est un gros truc. Vous voyez, moi je vois pas. 10. Allez. Oh, c'est un petit truc, c'est encore un crayon. Pas de mascara, s'il vous plaît. Un eyeliner. Super fine liner. Ça va, je m'en sers. Perfect Slim by Super Liner. 24 heures la eyeliner waterproof. On va voir ça si c'est waterproof. Je vais voir la mine. Over you. To river. Back again. N'attends pas la semaine pro. Si F-cool, les bronches, ça peut vite dégénérer. Ouais. C'est bizarre, c'est que la nuit. C'est pour ça qu'on s'inquiète pas plus que ça. C'est que la nuit qu'elle tousse. Vas-y, prout. Coucou Cassie. Bon, c'est très pratique à ouvrir, hein, comme vous pouvez voir. T'as les pointillés, mais les pointillés qui, voilà, qui ne servent à rien. Non, c'est Cassie. C'est Cassie qui proute. J'ai envie d'éternuer. Excusez-moi pour le tchou. Ça va, mine très très fine. Ouais, ça va aller. Ça va le faire. Je vais faire des. Ça sera jamais symétrique, hein, mais ça va le faire. Le 12. On va mettre de la neige partout. Ouf, on voit, c'est un bleu. Ouais. Et tu sais qu'il y a beaucoup d'infections pulmonaires en ce moment, Miss. Donc tu vas prendre rendez-vous au dos, Kiliko et Mikias. 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 Oh, mais elle va pas vouloir y aller. Elle me saouler. Demain, c'est le spectacle de Noël. Je vais regarder pour un rendez-vous en ligne. Ouais. Oui, madame. Hop là. Bon, on va laisser poser l'aquarelle. Jade, elle est contente, elle a eu un shampoing réponse ce matin dans son calendrier de l'Avent. Profite, on est en décembre,
Pas de Père Noël si elle obéit pas. Tiens, tu parles, ils en ont rien qu'à foutre. À peine rentrée hier soir de l'école, ça se battait pour le goûter déjà. Oh là là. À peine rentrée. Du coup, non, c'est sur le PC que je prends rendez-vous. Alors, c'est avec les pages jaunes, je crois. Et le mercredi, il travaille pas. Ça sera pas lui. Mais il y a de la place. Demain, je dois emmener Liam à l'entraînement de foot à 10h30. Donc je vais prendre un rendez-vous à 10h45. Je vais l'emmener après. Puis après, on reviendra au foot. Je pense que je vais faire ça. S'il y a un entraînement. Donc, à 10h45, mercredi, c'est pas pour moi. Jadou. Du coup, oui, ça sera pas pour médecin, c'est sûr. Non, sa date de naissance, c'est pas ça. On peut avoir les années antérieures, s'il vous plaît. Merci. Ah! I'm loving it. C'est bon, rendez-vous demain à 10h45, c'est bon? Vous êtes contente? Vous êtes satisfaite? Ce que vous me faites pas faire, hein, franchement. Prendre soin de ma fille. Bon. L'aquarelle, elle en est ouf. Damn girl. Et l'autre, il est. Je m'en bats les couilles. Alors, il est où le petit? C'est celui-là le plus petit? Ouais. Damn girl. The sexy bitch. Toi, t'as pris tes médicaments? Oui. Oui, j'ai pris le fluoxétine. Si c'est ça que tu demandes. Ah, je vous ai mis une petite caresse sur le micro, dis donc. Oh, le moucheron. Il est en dessous. Vivalone, ouais. Il est, je sais pas où. Faire défoncer. Ça va, le nez, là, vous m'entendez moins parler du nez quand même. Je chante mieux, là, vous le sentez, là, vous l'avez entendu. Il y a des poils de chat partout, là. Oui, j'ai pris mes médocs. Il y a que la cystine qu'il faut que je prenne, là. Mais ça, c'est pour mes cheveux, c'est pas. Hein. Puis on voit bien que ça ne marche pas, donc. J'ai dépassé, madame. J'ai dépassé. Moi aussi, je t'aime. Cœur sur toi. Donc, on en est au 12. Look. Un petit rose, ça serait bien un petit rose.
Bon, celui-là, il fait plus. C'est pas celui-là. Non, c'est pas ça non plus. Que j'ai rangé ma chambre? Non. Je sais pas où il est. Tapez-moi. Coucou Kaël. T'as posé tes congés pour les 6 prochains mois. Ça va être pépite. Ah. 12. Du coup, Kael, dans le L'Oréal, parce que je le vaux bien, j'ai vu un eyeliner noir feutre. On aime. Et pour l'aquarelle, j'ai eu un bleu. Je sais pas ce que je cherche, mais je cherche un truc. Est-ce que je l'avais rangé là déjà? J'ai trop de, vous voyez, de fiches comme ça là qui se baladent. Ça commence à bien faire. Parce que ça, du coup, c'est la palette. Voilà. Il m'en manque un, moi. Où est-elle? Il y a des lutins qui me font des farces, c'est sûr. Ça va? Oh, c'est joli. C'est joli. Non, pour l'instant, je suis contente. Il faudra que je rajoute un coup de washi. Je sais plus si je l'ai mais. Ça ne vous étonne pas? Du coup, il est en dessous. Non, c'est pas celui-là. Mais ouais, il faut vraiment que j'arrive à me refaire faire des nuanciers pour les aquarelles aussi. Parce que là, ça va pas. Ça va le dingue partout. C'est pas correct. Le lutin s'appelle Jade. Ouais, bah non, c'est bon là. Je te dis, le rouge à lèvres, il est au bout là. Hein. Et c'est bon, la tête du raisin, quoi. La tête du raisin. Attends. C'est croquet, hein. Bravo! 27 ans. Avec un peu de chance, Simone va peut-être vite rattraper. Va bientôt vite me rattraper, ça se trouve. Elle sera plus vieille que moi un jour. Allez, oh, je galère à l'ouvrir maintenant, je pense qu'elle s'est pris des chocs. Et ça c'est pareil, il va falloir que j'arrive à ranger. Parce que ça se bat quand même hein, avec les aimants. Hein. Hop là. Du coup, je vais vous redescendre. C'est reparti pour le A, quoique je vous ai pas montré ce que j'ai pris à Cultura. Et j'étais aussi à. Au départ, j'y allais pour King Jouet, mais King Jouet, ça ouvre qu'à 10 h. Donc je suis allée à Cultura, j'ai regardé un peu, et j'ai vu, j'avais complètement oublié qu'il était sorti. Oh putain, qu'est-ce que j'en ai fait déjà? Des fonds du sac, le sac devait pas être très propre. J'ai trouvé le tome 5 d'Heartstopper. Voilà. Donc, je suis contente. Je sais que. Voilà. Où je suis ce soir. Avec eux. Oh! Donc, voilà. Le tome 5, c'est vrai que j'avais oublié qu'il sortait en novembre. Mais j'ai galéré pour le choper. Il était tout en haut, là! Il n'y en avait pas en rayon, c'était exposé en hauteur là, j'ai galéré pour le choper. Sur la pointe des pieds, la meuf. Et par contre, on va tester un truc aussi. Je suis allée du coup à Stokomani, parce qu'à King Jouet, il n'y a que des Barbie Loli. Mais moi, j'ai été traumatisée par les Barbie Sandy quand j'étais petite, parce que ma soeur avait des Barbie et moi j'avais des Barbie Sandy.
Donc, interdiction pour moi, je ne peux pas lui prendre une Barbie Loli. Je lui prends des Barbie Barbie. Donc, j'ai pris Barbie Barbie à Stoko parce qu'il n'y avait plus rien. Enfin, il n'y avait pas ce que je voulais à. À King Jouet. Et puis à Stoko, t'as les mêmes pour moins cher. Donc, comment te dire, voilà, je suis allée à Stoko. Du coup, je suis tombée là-dessus. À Stoko Mani. C'est de la marque Crayola. Perlescent Cream Stick. Crayon crème nacré. Je me suis dit, il faut que j'essaye. Je crois que ça coûtait 7 balles. Quoi? Oh, c'est bon, hein. Oh là là. Regardez-moi la boîte comme elle est belle. Pourquoi vous les avez déjà vus? Hein, vous les avez déjà vus quelque part? Moi, c'est vrai que je regarde plus beaucoup de vidéos. Je suis tout le temps sur Twitch, donc. Quelle faiblesse. Moi, je les ai jamais vus. Et voilà, le fait perlissant, la boîte est canon quand même. Donc, oui, je sais que je suis faible, c'est bon. Pas nouveau, ça, c'est un trait de caractère. Crois que c'était 7 balles aidées. Je sais pas quoi payé, il faut pas le dire. Ouais, Simone. Alors. Non, mais franchement, la boîte, elle est jolie. Oh! 7 euros pour du Crayola, mais ça va pas, non? Oh! Du coup, ils disent. Chez Simone, le crayon? Ouais. Je regarde plus, Simone. Alors, décliné en 10 couleurs riches pour les crayons nacrés, signature Crayola offre une consistance crémeuse parfaite pour vos dessins et vos projets créatifs en tout genre. Ces crayons polyvalents s'utilisent secs ou avec un peu d'eau pour estomper. Parfait pour réaliser les contours ombrés de larges sections ou obtenir des effets d'aquarelle. Ouais, je les avais jamais vus nulle part. Le contenu et les couleurs peuvent varier. D'accord. Ok. Une feuille. Bah, le blanc, de toute façon, je m'attends pas à quelque chose de ouf. Est-ce que j'ai encore une petite feuille noire? Oui. Bisous, Mélo. Travaille bien. Ouais, du coup, on va les tester et sur le blanc et sur le noir. Ah, ça va, c'est bien, il y a un nom dessus. I just wanna know. Kiss me to me so, baby. I just wanna know. Mais ça, pour des effets nacrés, quoi, dans les ailes de papillon ou. I just wanna know. Tell me, tell. Ah, c'est ça qu'il faut que je rachète. J'en ai plus de propre. Parce que. Je me dis que ça peut s'estomper. Si on attend trop longtemps. Mais. À voir, faut que je fasse des tests. Hello.
Et du coup, il disait avec un peu d'eau, mais pas beaucoup. Ouais, un peu. À voir. Moi, je pense qu'il faut le fixer. C'est agréable à utiliser. Ça me fait penser au crayon. Ouais. Ben, je les ai mercredi. Je les ai, les Silky. Mais je sais pas si j'ai toutes les boîtes. En regardant l'autre jour, je me suis dit. C'est bizarre. Merde, je les ai mis où? Oh, j'en ai marre. C'était là, les Silky. Parce que là, c'est les chalques. Les trucs à l'alcool. Qu'est-ce que j'ai fait de mes craies? Oh, j'en peux plus de moi, j'en peux plus, j'en peux plus. Je crois que j'en ai 3 boîtes, 3-4 boîtes. Ni pour le verre. Non, on veut pas des artistes. Mais on va voir si une fois c'est que ça, enfin, si ça sèche déjà. Si ça bouge plus, je peux aussi les bouffer. Ah oui, il y a cet effet nacré, perlescent, que j'aime beaucoup. Attention, le violet. Ça, c'est vraiment crémeux de fou, hein. Putain, ça peut. Je vais finir par me tartiner avec tes. La meuf. Hop là. Non, les bleus. Non. Ma noix. Attention, le blanc. Prends-le pour tes yeux, ouais. Bolé, 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 bolé. Vous le voyez, le blanc, ouais. Ouais, je trouve ça sympa, franchement. Alors. Mais j'aimerais bien retrouver mes quelque chose là. Ah, ils sont là. Donc, j'ai 3 boîtes, Silky. Je sais pas s'il y en avait que 3 boîtes. J'ai les glitters métalliques et néons. Il n'y avait pas des pastels? J'ai ça aussi, là, les glitter brush que j'utilise
Jamais. Allez. Si, 3. Ah oui, pastel, donc. Je sais pas. Mais moi, j'en ai que 3. Ah oui, mais c'est écrit pastel là. Donc, Shimmer et Rainbow. Ouais, donc si, je les ai peut-être tous. Mais ouais, ça doit être un peu. C'est à peu près le même style. Mais ceux-là, je pense pas que tu puisses les. Ah si, and watercolor. Mais du coup, je vais pas les laisser dans la boîte, je pense pas. Par contre, je suis bien tentée de mettre mes aquarelles dans celle-ci. Parce qu'elle est quand même canon, la boîte, je trouve. Donc, je pense. Mais je pense que. Je pense beaucoup ce matin. Les mettre. Avec peut-être plus de la pâte à fixe, du coup. Parce que les aimants, ça se balade. Ah, elle est belle, je trouve. Mais non, je vais pas les laisser là-dedans. Je pense que bah, j'ai un pot. De toute façon, j'ai un pot. J'ai des pots comme ça sur mon bureau. Je pense que ça va finir dedans. Parce que là, c'est pas emmerdant. Tu peux les mettre dans n'importe quel sens. De toute façon, ça change rien. C'est pas de l'encre à l'intérieur. Mais moi, je pense que je vais recycler la boîte. Ah non, mais moi, je pense, si j'oublie dans la seconde, c'est ouf. Je deviens folle. Bah, c'est ce matin. Je me gare, je sors de la voiture pour aller à Cultura. Je laisse mes clés sur la voiture quand même, hein. Je me fais merde, elles sont où mes clés? Bah sur le contact, bouffonne. Je jure. Bon app à ceux qui vont manger. Oh non, mais j'en peux plus de moi, je n'en peux plus. C'est comme ça tous les jours. Je cherche. Bah là, avant de lancer. Enfin, j'avais lancé le live et je cherchais mon téléphone partout. J'ai même été revérifier si je ne l'avais pas mis dans les hôtes des enfants. J'ai préparé les hôtes. J'emballe rien, moi. Je mets dans les hôtes directement. J'économise du papier. J'emballe plus. Ça fait quelques années. Mamie emballe encore un peu, il me semble. Mais moi, il me reste deux hôtes que j'avais achetés à Action. C'est nickel. Ils ouvrent leurs cadeaux comme ça. Ils pensent vraiment que ça vient du Père Noël, du coup. Mais non, ces petits crayons, écoutez, on a bien l'effet nacré, le perlescent. Même le blanc, je pense qu'il pourrait peut-être être intéressant pour la neige. En finition. Bon, on va laisser ça de côté. Oui, on laisse traîner, bien entendu. Mais oui, le violet, il est pas si violet que ça. Hein. Bon, allez, on va continuer celui-ci. Ça serait bien que j'avance quand même. C'est le but de la manœuvre. Donc là, ça va être en rose plus soutenu. Hop, par contre, toi, tu vas partir, hein, L'Oréal. Merci. Au revoir. J'ai besoin de mes crayons. Ah bah il est là. J'ai retrouvé, il était en dessous. Voilà. Mais oui, un petit rose, ça serait pas mal. Un petit rose. Le rouge est beau, hein. Oh là là. Un coup de crayon. Ouais. Oh, c'est bon, hein. Bon app. À petit quanti. Ah, les petits mots de tasse, faut pas que je perde. Voilà. On les laisse bien à vue, voilà. Allez. Faut que je sorte du rose, là.
J'ai mis tes mots bien à vue. Voilà, comme ça je n'oublie pas, de faire, même si c'est toujours pas fait. Le monde a regardé sa petite, comment il s'appelait ça? Une rétrospection? Non, je sais plus. Le bilan 2023 de Twitch. C'est là qu'on voit que Taz fait moins de vidéos parce que elle y arrive en troisième place chez moi. Rétrospective, ouais, c'est ça. Je m'en fous de ces trucs. You and you. Somebody new. Comme là, j'ai commencé à faire les oreilles, mais je continue pas, je sais pas pourquoi. Like this. Together. Je pense que même que je vais prendre un... Je suis pas là pour faire rire et être thérapeute à la fois et à l'écoute et en professeur, c'est tout. Le reste me fout. Je te dis, je sais même pas combien. Non, moi non plus. Je sais pas combien d'abos. J'en ai pas beaucoup sur Insta parce que je poste jamais. Sais que YouTube, je suis à 1000 et des patates. YouTube, de toute façon, un jour tu te couds, t'en as 10, le lendemain t'en as dans je sais pas combien en moins, enfin c'est jamais. C'est très chelou leur truc. Donc non, je regarde pas trop les stats, voir quelles sont les heures les mieux pour poster. C'était quoi ton lèvement de sourcil? Tu doutes de mes priorités prioritaires? J'ai levé le sourcil? Bah c'est peut-être pour comprendre ce que tu écris. Pour déchiffrer l'indéchiffrable. Sais même pas où c'est les stats. Moi, c'est avec les commentaires, ça me fume à chaque fois. Ça te remonte des commentaires qui datent de Mathusalem, tu les avais jamais vus. T'es là, ouais, ok. Je trouve c'est pas cool. Pourquoi tu me les montres que maintenant? Toi, je suis sûre t'as compris. Non, sur Insta, je dois être aux alentours de 500 et des bananes. Mais je poste tellement rarement. Je poste plus de stories qu'autre chose, finalement. Voilà. Par flemme. Mais surtout, c'est que je préfère faire autre chose que de poster des photos, quoi. C'est ça le truc. Je préfère colo ou être en live avec vous plutôt que de poster. Voilà. Poster sur Insta, c'est aussi relou que de poster sur Vinted. En gros, concentré, je veux juste remonter moral aux gens et partager tout. Partager. On partage tout, nous. Nous, on va pas faire attention à ce qui va sortir de notre bouche. Il y en a beaucoup, elles préparent. Elles ont un speech. Elles préparent leur vidéo déjà. Déjà rien que ça. Préparer une vidéo. Moi, je prépare pas. Je dois filmer ça, je filme ça. Oui, tout sauf les odeurs, heureusement pour vous. Youhou!
Non, nous c'est du nature peinture, quoi, j'ai envie de dire. On n'est pas, on calcule rien, mais rien. Il y a des fois, il y a des choses qui sortent de notre bouche, c'est après qu'on se dit, oh merde! Je préfère les prunes. T'es plus prune rouge ou prune jaune? Ou les reines Claude? J'ai mes cheveux, ils font des houppettes, laisse tomber. J'ose même pas les regarder sans le casque ou machin. Je dois avoir les deux côtés. Regarde-moi ça. Sauf que moi, je regrette aucun. Oui. Non, mais il y a des fois, je fais des phrases, voilà, c'est un double sens, c'est un peu tendu quand même. Rouge, mais pas les inspects. Attends, attends, attends. Ah oui, les prunes. Je savais déjà plus la question que je t'avais posée. Non, mais tu te rends compte? Moi, je trouve t'es plus que correct. Ok. Si je crache sur Hachette Rose, oh là là. Oh là 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 là. C'est ça l'amour. Juste des vidéos YouTube, j'ai envie de te taper. Mais je t'aime tellement que ça passe au-dessus du dessus. Parce que je remarmonne? Non? Je fais quoi dans mes vidéos YouTube qui t'as envie de me taper? En plus, je les regarde toutes. Tu vois la dévouance? Ouais. Est-ce que c'est de la dévouance ou est-ce que tu te fais vraiment chier? Déconne. Parce que voilà, je me dis, ouais, je poste des vidéos, mais est-ce que vraiment ça intéresse? Tout là, j'aimerais bien poster d'autres contenus, mais j'aimerais bien finir un jour ces présentations-là. Je vais finir par vous en mettre une par jour. C'est comme les replays, j'ai du retard, mais ça m'ennuie de vous en mettre quand même autant par semaine, quoi. Je trouve que ça pollue le flux. Et je voudrais faire un peu plus de shorts aussi. Comme ça me permet de montrer un peu plus peut-être l'évolution d'un colo, ou, je sais pas. Un cocktail Molotov de sentiments, quoi. De dévouance totale et je rigole vraiment beaucoup et vraiment même si j'ai envie de te taper en vrai c'est plusieurs sentiments d'un coup et en même temps tu vois le truc c'est un melting pot tu racontes ta vie de merde comme ma vie de merde mais tu râles ta mère mais... c'est bon pour la santé oui aussi oui j'ai peut-être trop de livres mais j'aime bien tous mes livres en fait. Voilà. Je les aime tous, mes bébés. Voilà. Si tu vas demander à une mère de famille qui a une dizaine d'enfants, tu lui demandes d'en retirer un, je suis pas sûre qu'elle veuille, hein. Elle les aime tous, ses enfants. Oui, c'est vrai, j'aime pas Alice. Non, c'est que j'ai eu un désaccord avec elle et c'est surtout ses fleurs qui me... Waouh. Elles m'ont pompé, ces fleurs. Alice en elle-même, ça va. Oh, c'est qui a essayé de m'appeler? On ne sait pas. Faut arrêter d'appeler en numéro inconnu les gens. Ou des 06. Non, 0. Oh, 0. Attends. C'est quoi ça? Plus 33, 809. Oh, ça pue ça.
Il a plus les doudous, je pense. Il avait déjà vidé la voiture. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais ça sent la connerie, vous voyez? Ça sent le démarchage téléphonique. Et j'aime pas ce matin, tu passes à la caisse à Stokomani, ça te demande une adresse mail ou machin. Ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Oui, mais c'est pour le ticket de caisse. Ouais, c'est pour le ticket de caisse. Ouais. C'est cela, ouais. J'aime pas ça. Parce que je sais que je vais être spammée de trucs qui n'ont rien à voir avec Stoco. Et même, pardon, je vous ai mis un petit coup de Prisma. Il vous a fait un bisou. J'ai pas envie de. Oh, ça saoule. Du coup, tu donnes déjà une adresse où. Voilà. Tu donnes pas la perso parce que. Hein? C'est bon? Bah, tu dis non, je la donne pas, moi. Ouais. Meilleure écoute et patience, nos livres d'amour. Ouais. Ah, les livres, ils sont trop bien. Elle est trop florissante. Lol. Non, mais elle a trop de fleurs, Alice. Il y a un moment. Puis tu sais pas qu'est-ce qu'elle leur a donné comme engrais, hein, parce que. Waouh! Elle a dû en prendre aussi un petit peu, Alice. Bah, tu dis non, j'aurais dû. Ouais, oui, mais toi, t'arrives à t'imposer. Moi, je sais pas faire ça. Je sais pas. Moi, je suis. Non, j'ai du mal à m'affirmer. Hein. C'est pas nouveau, ça. Ouais. C'est sa beauté qui fait pousser les fleurs. Ouais. Non, moi, je suis sûre qu'il y a une histoire de drogue dans cette affaire. Ah, je suis sûre. Il y a des substances illicites. C'est sûr, sûr, sûr. On me répond même un petit ok, pas de problème, merci. Ouais. Ah, mais toi, t'es la cliente relou que personne ne veut, hein, moi, clairement, hein. Voilà. Je serais tombée sur toi en caisse. Oh mon Dieu, je m'en serais jamais remise. Moi, j'ai un téléphone portable que depuis 8 ans. Ah ouais. Ah, moi, c'est le. Si j'ai un téléphone depuis que je suis au collège, je dirais. Mais j'ai la même ligne téléphonique depuis mes 18 ans. C'est le même numéro. Je crois que j'avais fait l'abonnement le jour de mon anniversaire ou quoi. C'est pour ça que j'ai ma date d'anniversaire, c'est mon numéro de téléphone. La fin. Voilà. Donc c'est très facile pour moi de. Voilà. Et c'est pour ça que je n'ai pas vraiment envie d'en changer parce qu'il est facile à mémoriser pour moi. Avant, me regarder, genre, j'étais une extraterrestre, tu m'étonnes. Ta carte de fidélité qui prend de la place et qui sert même plus à rien, tu te la gardes, wesh. J'aime pas les mensonges, la vente forcée, ça dégage. Mais c'est ça que dans le commerce, je veux plus. On m'obligeait à mentir aux clients et non, je suis désolée, non. Je suis pas relou, je suis juste pas une conne, c'est tout. T'es en train de dire que je suis conne? Ils ont juste pas l'habitude que les gens disent non. Ah. C'est ça. Ah non, je me souviens, magasin. Ah, bah, tu lui dis qu'il n'y en a pas, tu lui dis si, alors qu'il y en a plein une palette derrière, mais ah, c'est pour réserver pour un tel machin qui viendra. Enfin voilà, les promos. Ah bah non, il n'y en a plus, machin. Alors que c'est juste parce que il n'a pas la couleur adéquate, tu vois le genre. Enfin. Je peux plus.
Ça dépend de la personne qui est en face de toi, t'as tel ou tel discours. Moi, c'est un moment non-stop, quoi. C'est pour tout le monde pareil ou pas, quoi. Non, mais. Mais la pire phrase que j'ai entendue, c'est quand je me suis plainte comme quoi j'avais besoin d'aide pour livrer. Quand c'est le vendredi soir que tu as plus de 10 personnes à livrer en même temps, tout ce qu'ils savent te dire, c'est bah, les clients, le client, il attend. Ça a été la phrase What? What? Le client, il attend. Ouais. Puis après, oh, on a eu un mauvais commentaire sur Google. Hein, comme c'est étonnant, tiens. Conne et pas peur, c'est pareil. Ouais. Ah, mais moi, j'ai plus aucune confiance en moi, donc c'est mort. Rockstar. Je te l'aurais accroché au mur, moi, et je te l'aurais fait attendre, celle-ci, tiens. Ah, je te jure. Oh. Oh, c'est ouf. Puis le coup, c'est que je lui montre l'état des champignons, qu'ils étaient moisis. Puis il me dit, ah, bah, faut les mettre quand même. Fils du patron. Faut les mettre quand même. Faudra. C'est le client qui va décider s'il les prend ou pas. Bien sûr, les prendre au même prix, hein. Ils sont pas en état, mais on les fait au même prix. Enfin, il y a un moment, non, je peux pas mettre de la marchandise comme ça, quoi. Il y a un moment, non. Puis après, ils vont me dire, ah, l'image du magasin, l'image de marque du magasin, bah oui, bah tu m'étonnes qu'elle en prend un coup, quoi. Je suis en train de voir que le chat il lui paraît tout petit là-bas en haut. Je vais essayer de modifier ça. Chat, il est où le chat? Ah, je peux pas le. Je voudrais l'élargir moi, mais je peux pas. Si je fais CTRL Alt, tu veux pas? Tu veux pas m'écouter? C'est qui commande? C'est maman qui commande. Non, elle veut pas aller sur l'autre côté, c'est bizarre. Hello. On va faire un peu dépasser du 4, tant pis. You can see my heart beating. You can see it through my. Parce que je trouve que ça fait. Il faudrait que je change l'écriture pour que ce soit moins gros, je sais pas. Bah déjà, t'as un pseudo à rallonge là aussi, Taz. Tu pouvais pas faire plus court. Ah non, hein. T'aurais fait Taz et ses colos. Ou je sais pas. Non, il te faut un nom. Un nom composé maintenant, il te faut un nom qui fasse vendeur. You can see my heart beating. Un nom qui vende du rêve. Telle une pomme avec ses pépins. Je suis entière. Au moins, on m'oublie pas. On ne peut pas t'oublier, Taz. On ne peut pas. Tu restes ancré à notre rétine. C'était pris. Voilà le pourquoi du comment. Non, moi, je dis ça, mais c'est le troisième, quatrième pseudo. Au début, c'était. Je crois que c'était Valley Nails. Après, ça a été Val Books and Beauty. And Beauty. Et après, ouais, je me suis dit, il faut que je mette un truc. Voilà. J'ai mis Tchiotval parce que je suis Tchiot. Je suis chez les ch'tis. Et bah, puis Val parce que bah, je m'appelle Simone. Donc, je ne saurais même pas comment faire.
Malone, il aura ma peau celui-là. Ah, va falloir que je le retrouve. Je vais le laisser sur mon bureau et je vais me sniffer au Pivalone avec vous alors. Oh putain, Pivalone. Oh, putain. Ah là 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 là. L'année prochaine, quand je vais aller voir mon médecin qui va me donner du Pivalone, je vais lui mettre une bonne dans la tronche. Je vais faire... Oh, j'en ai marre. J'en ai marre de votre Pivalone. Oh putain. Encore du Pivalone? Mais changez vos habitudes, merde! Oh non. Et en attendant, il tient bien le. L'eyeliner waterproof de chez L'Oréal, parce que je le vaux bien. Ah ah hi ha ha ha. Faudrait que je regarde, j'en ai qu'une de Britney Spears, c'est étonnant. Amy. Ça y est, le café est froid. Attention aux dégâts. La 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 la. Non, je ne me mets pas le doigt dans le nez. Je me. Voilà. Tic, 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 tac. Toc. Oh. Bon, est-ce que pendant les vacances, je vais enfin aller voir pour mes lunettes? Est-ce que j'aimerais bien ouais, trouver un modèle qui change. Je deviens chelou avec les avec l'âge. Zik Amy. Non, tu commences à t'affirmer, c'est normal. Ouais. Bah, il serait temps, je dirais. C'est au collège que je m'affirmais. J'étais une rebelle, mais alors, je griffais tout le monde. Dès qu'il y en a un qui me faisait chier, je le chopais par le cou avec mes ongles. Oh! T'arrêtes de me faire chier! Combien de fois je me suis fait punir? Je veux que tu arrêtes de faire saigner tes camarades. Oh, c'est bon. Il m'embête. Je fais que me défendre. Non mais. La, 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 la. Du coup, les yeux, c'est pareil, c'est un poireau. Du coup, j'ai rangé mes. Je suis en train de me dire mes Intense, j'aurais dû les garder pour refaire les fonds. Je suis bête. Parce que du coup, j'ai pas noté. T'as mal une dent? Oh là là, non. Oh, moi, j'aime pas avoir mal aux dents. Surtout que là, il faut pas que j'ai mal aux dents parce que mon dentiste, il est parti à la retraite. Il n'y a plus de dentiste. Attendez, Enzo me parle de Kepler. Kepler? Hein? De Plerque. Que... Non, ça marche pas. Un mot inconnu. Mot inconnu dans mon vocabulaire de tasse. Kepler. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Ça y est. Une planète avec de l'eau, la Terre et des années-lumière à l'aide.
Tu peux juste lui dire laisse-moi tranquille. Va-t'en la mer. Ou va voir dans ta chambre, j'y suis. Des fois, ça marche. Regarde! Tu l'emmènes dehors. Tu lui fais, ah, je vais te montrer un truc. Tu le mets devant la porte et puis hop, tu claques la porte et tu fermes à clé. Et après, tu mets des bouchons pour pas entendre quand il sonne. Non, mais j'en ai marre. Ah, j'en ai marre là. Mais pourquoi? C'est mon dalle qui fait ça ou c'est quoi? Pourquoi j'ai autant de mine qui pète? J'en ai marre. Je suis au bout de la... Je suis au bout du rouleau. Ah là, j'en ai marre. Combien là? Mais c'est bon, hein. Je veux des crayons, moi je veux pas que des mines, hein. Ah, j'en ai marre. Je sais pas si c'est mon dalle qui est défectueux ou. Je vais ressortir le délier et basta. C'est bon. Arrête les conneries, hein. Oh. Eh, 13 balles, tu m'as coûté, toi. T'es censé marcher correctement. Hein, le délit, ça fait des années que je l'ai. Il m'a coûté 4 balles. 6. Il est à 4 balles maintenant. Alors, c'est bon, quoi. T'arrêtes de faire le gros. Hein? Parce que tu as des CDC suicidaires. Arrête. J'allais dire, ils sont comme moi, mais non, non, je suis pas suicidaire, ça va. Ça va, pour l'instant, ça va. J'ai pris la voiture ce matin, tout a été bien. Je suis rentrée dans personne. Tout va bien. Là, par contre, ils font... Un petit coup de barre, peut-être. Il est quelle heure? Ah, c'est l'heure de la sieste. Au secours. Mets-le dehors, je te dis. Tu lui dis qu'il faut qu'il arrête de regarder tout ce qui se passe à la télé, tout ça, c'est nocif. J'ose plus les tailler du coup. Il est parti, j'ai rien compris. T'es là? Oui. Ah! Ah ouais, quand même. Ah. Ok. D'ailleurs, le délit, lui, s'arrête. Quand le crayon est bien taillé, il s'arrête. Que le dalle, lui, ne s'arrête pas. C'est ce que je fais avec Jade parce que pia 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 pia. Mais je comprends. Je comprends pas tout ce qu'elle dit, mais alors son père, c'est encore pire. Vu qu'il la fréquente moins que moi. Oui, je parle de ma fille. Hier soir, elle lui demandait je sais plus quoi. Mais moi, je vais comprendre le mot que lui. Il a 10 000 km, quoi. Oh. Waouh, c'était magnifique. Là, j'ai regardé la Starac du coup hier un peu. J'ai vu que Marco était parti. Oh, je suis tellement triste. Par contre, il s'améliore pour certains, je trouve. Voilà. C'est moins douloureux pour mes oreilles quand je les écoute. Mais après, je ne tenterai pas le live. Le taillon, oui. Le taillon. En même temps, si elle faisait des efforts. Ouais, déjà qu'elle enlève sa tutute. Hein. Matter what they say.
Un obsessé. Les yeux. Doesn't matter what they say. People play. Un obsessé. Un obsessé. L'autre jour, j'ai vu sur Vinted, il y a une nana qui vendait ses Prismacolor. La boîte neuve, parce qu'elle l'avait en double. 200 Hummel. Talking about it. Turning on. How to surprise. Flew Dalle 133. 155, c'est lequel celui-là? Et ça, c'est un Daily. Il vient de chez Ali. C'est avec ça que j'ai commencé. Le dalle, je l'ai depuis peut-être moins d'un an, je sais plus. Oh, arrête de pleurer tes prismas. Ils vont bien, ils sont en bonne santé. Allez, c'est. Ils sont enfin utilisés, peut-être? Ouais, j'ai déjà tenté l'aventure, mais je sais pas. En plus, je trouve qu'il me taille mes crayons pas de façon égale. Il me fait un grand bord. Il coupe plus d'un côté que de l'autre. Je m'en remettrai jamais. Je te dis, c'est comme si t'avais été mère porteuse et que t'as donné tes bébés. C'est exactement pareil. Je comprends hein, ton ressenti. Du coup, là, c'est ça c'est Nidoking. Mais là, du coup, là, c'est non. Si, c'est ça. Donc là, c'est Nidorino. Ça, là, c'était Nidora. Hein? Ouais. Pourtant, je me suis fiée sur Nidorino pour celui-là. Hein. Mais c'est pas grave. Tout va bien. Il est. C'est pire. Arrête. T'aurais dû revendre tes propres gosses à la place. Ça t'aurait peut-être fait moins mal. Y a une vidéo de Marilyn qui explique comment nettoyer. Ok, je regarderai. Mais flemme, you know what I mean, what I want. What did you do? It's complicated. For me and myself. Ever. Understood. You Je l'ai depuis 2017, jamais nettoyé, il fonctionne parfaitement bien, c'est du mytho de nettoyer. Donc le mien a un défaut alors dans ce cas-là. Toi, il est jamais tombé, me semble-t-il. Mais bon, moi, ma mémoire en même temps défaillante. Care. Alors, ça, c'est le buisson. C'est. Faut que je regarde une image. Ah, on m'a laissé un message. Eh ben, ça attendra. Je suis occupée.
c'est pas le numéro de l'école ou quoi que ce soit, donc je m'inquiète pas. Hein. C'est pas. Encore maman qui va me harceler pour avoir un rendez-vous, c'est bon. Hein. Allez chercher de l'argent ailleurs. Là, il n'y en a pas. Non, c'est là. Pokéfil. Pokéfil. Alors, ça serait un bout de la du bras. D'accord. Ok. Le dalle, t'as une grosse roue derrière, là, la molette, tu la tournes, tu l'enlèves direct, tu sors le truc, tu verras si c'est une mine ou un bout de mine de coincé, de créer des... Non mais je l'avais déjà ouvert. Hein. Mais là, ma poubelle, j'ai l'impression que je peux la vider tous les jours. C'est ouf. Viens voir, pépère. Il n'y a rien qui... Il n'y a rien de coincé dedans. Il y a Walou, que dalle. Un pinceau synthétique action. Non, il n'y a rien qui bloque que dalle. Je tourne la manivelle, je tourne la manivelle quoi. Ah, ah, ah. Oh, y a rien, rien, rien qui bloque ou quoi que ce soit. Allez, remets-toi, s'il te plaît. Voilà. Faut vraiment que je fasse attention de ne pas faire tomber ma poubelle cette fois-ci. Tape. Je tape quoi? Pourquoi tu veux que je le tape? Oh, je vais pas le taper, hein, le pauvre petit, là. Je vais pas le taper, hein. Puis là, je l'ai mis à la moitié, je crois. Ouais. Recassie! Oh, cry, cry. Why? Cry, cry. Try, try. Là, c'est vrai que ça fait beaucoup de mine, quoi. Non, non, non. Pas poussé, là. Vu que je t'appelle. Non mais. C'est violente, hein, quand même. Demain, c'est mercredi. Je sais pas s'il y a foot. T'es mine, te mine. Oh, carrément. J'en ai marre qu'elle se casse. Franchement, j'en ai ras.
Voilà. Attends, c'est ouf. Mais... Alors, l'arrêté s'arrête ce soir. Du coup, pour demain, on reprend les entraînements habituels. Ah, 15h35. 15h45. Du coup, je suis au spectacle de Noël avec Jade. Je fais comment? Oh. Ça commence à 14h30, le spectacle de Jade. Je sais pas à quelle heure ça finit. C'est vraiment, maman, c'est un peu relou comme métier, hein, quand même. Je comprends pas. Pour information, nous allons commencer pour les enfants nés en 2015, donc les U9. Donc ouais, il est bien censé être en U8, mais... À préparer la saison prochaine en foot à 8. Ouais, donc ça. Ouais, donc je sais pas du tout. Faut que je voie avec Liam ce qu'il en pense. Si puis je sais pas si je peux laisser Jade. Je sais pas si je peux laisser Jade au spectacle et puis aller déposer Liam vite fait, retourner au spectacle. Je sais pas. C'est vraiment casse-tête, hein. Parce que en plus, c'est pas loin l'un de l'autre, quoi. Il y a un truc, c'est dans un bled et l'autre, c'est dans le bled d'à côté, en fait. Et Liam, c'est pareil, ça va être jeudi soir, lui. Ils peuvent pas faire tout en même temps, non. Bah non. Ils veulent dissocier les deux écoles, ouais. C'est le même village, les gens, hein. Arrêtez de vouloir faire des... Hein? Oh, encore ce matin, il y avait le petit chat au centre de jeunesse, machin. Elle donne des croquettes aux chats qui sont dehors. Du coup, bah, il y a de plus en plus de chats. Il y avait un tout petit rouquin. Là, aujourd'hui, j'ai vu qu'il était à côté de sa maman. Hier, il avait traversé le parking en courant. Je me suis dit, oh, je vais t'emmener à la maison, toi. J'aimerais trop avoir un rouquin maintenant parce que je sais que les rouquins, ils sont affectifs. La meuf, elle a besoin d'amour. C'est pour ça que mon corps n'a jamais voulu tenter le truc. Ah ouais, non, c'est franchement, c'est hardcore, maman. Pouah, les grossesses. Enfin, mon corps voulait pas. Hein. Je veux dire, je suis tombée facilement enceinte, mais j'ai eu Liam, j'avais déjà 31 ans. Mais non, mon corps est pas fait pour ça. Non. Qui t'a dit ça pour les roues? Moi, je veux un roux. Toi et Calderon, vous me donnez envie d'avoir un petit roux. C'est un don de soi d'avoir un enfant. Non, mais c'est... Oh, j'étais pas bien, mais alors... Je dormais plus la nuit, je dormais la journée. Oh, dans un état de fatigue. C'est pour Jade que j'étais malade, 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 à vomir. Mais c'est surtout ce grattage incessant. Te gratter pendant plus de 6 mois, non-stop, limite au sang. Tu te réveilles la nuit pour te gratter. Tu penses qu'à ça, te gratter, te gratter. Je peux plus, je peux plus, je peux plus, faut qu'elle sorte. Oh, j'en pouvais plus. Quand tu les vois là enceintes à faire des footings et tout, là, non mais arrêtez! Arrêtez de mentir, mesdames! Vous n'êtes pas humaines! Arrêtez! Oh, j'ai jamais été aussi belle et tout, non mais arrêtez! Oh non! Oh non, Cassie! Bête. Là,
Le dessous, c'est rose. Qu'est-ce... Ben, je l'ai dans les mains. Je cherchais mon crayon qui est dans mes mains. C'est sujet sensible, tu sais bien, ouais. Moi, je voulais mon... Mais mon corps, non. Et puis quand je me suis fait une raison, mon mari m'a avoué qu'il n'en voulait pas vu les risques. Ouais. Non, mais vous êtes très bien tous les deux. Très bien. Profitez de vous. Et puis surtout dans le monde qu'on a maintenant, c'est ça devient... On a peur pour nos enfants, c'est... Oh là là. Bah c'est quand? C'est lundi soir. Liam qui se met à pleurer et tout. Il voulait pas aller se laver. Pourquoi? Parce qu'il aime pas le gel douche. Il se met... Il pleure? Je me fais, mais il y a un moment, non, faut parler, gars, là. Pleurer pour ça? J'imagine même pas à l'école, quoi, ça. Oh. Puis les profs, ils le disent, depuis le confinement, les enfants sont très, très sensibles. Il y a assez de misère dans le monde. Ah non, mais c'est ouf. C'est qu'on sait pas trop ce que ça va donner dans quelques années. Déjà que là, c'est pas très beau. Ce qu'on leur laisse, non, quoi. Ils s'accrochent, hein. Je crois que mon ventre commence à grogner. Je vais aller manger un petit truc. Ah, c'est ouf, cette mèche. J'ai l'impression d'être Tao dans Heartstopper, quoi. J'ai la même coupe. En même temps, maintenant, j'ai plus le moule. Alors, ok. Mais franchement, j'ai du respect pour les parents quand je vois tout ce qui se passe. Oh, je te jure, c'est hardcore. Tourment, on a parfait. Tant de déjà fait. Visage, l'un, je vais manquer. Tu penses, c'est revoir l'histoire. Non. Ouais, je vais me faire un petit truc à manger. Ah, oh, chacha! Il se demande où c'est. Oui, je suis comme ça, moi. Dès que je vois un chat, je vais essayer de le caresser et tout. C'est Timinou, il a peur de rien, lui. Les matous. Il est comme Bella, il est gris et blanc. Mais lui, il se laisse caresser. Oh, c'est hier soir. Liam a voulu faire un câlin à Bella. Elle était sur la table basse. Donc il lui fait déjà un premier, tu sais, il approche sa tête, puis elle approche la sienne, et limite il se touche le nez, quoi. Et il se sentait plus, hein. Et, du coup, il a essayé d'y retourner et tout, et là je l'ai vu Bella, elle a levé la patte et...
Et il s'est levé, il m'a regardé, il s'est retourné, il est parti pleurer. Il était dans un état, le pauvre petit. Je sais pas pourquoi elle est comme ça. Elle lui, ah voilà, lui a dit clairement, là, laisse-moi tranquille, quoi. Mais il l'a mal pris, quoi. Ce qu'il pensait, il pense que Bella l'aime bien. Donc, dès qu'elle lui fait un petit geste comme ça, vais rouler à vélo sous la pluie battante à l'aide. Tes gosses vont en soirée, ils tombent sur des tarés et n'en reviennent pas, se font harceler à l'école. Ah oui, non, mais c'est. C'est pour ça, dans peut-être 1 an ou 2, il faudrait que Liam rentre de l'école tout seul. On n'est pas très loin, mais c'est en ligne droite et ça fait flipper quand même, quoi. Du coup, elle est Bella, quoi. Oh là là, la mauvaise, quoi. Il l'a mal pris. Parce que oui, elle le laisse quand même un peu plus qu'avant, la caresser et tout. Du coup, il se dit, ah bah Bella, elle m'aime bien, c'est ma copine, tout maintenant. Mais faut pas qu'il oublie que non, c'est la copine de personne. C'est triste. Bisous, ma tasse. Puis on lui demande est-ce qu'elle t'a griffé ou quoi, et il dit qu'il a mal en haut de la tête, alors que j'ai très bien vu qu'elle avait mis un coup de patte là, mais elle a juste style laisse-moi tranquille, quoi. Ah, cette peste. Ça va, elle n'est pas là. Sinon, je vais avoir des représailles aussi. C'est hier soir, tout le temps que j'étais à mon bureau, hop, elle était dans le dos en train de ronronner. Oh là 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 là. Ah, froid la bête. Attends, un sacré poil. Caresse. Elle sort pas, hein, comme ses autres acolytes là. Hein, eux, ils ont pas peur, hein. Ça sort, hein. Ah, pas froid, hein. Ah là, elle est en train de courir, pépère. Te fais pas écraser, s'il te plaît. T'as pas de collier. Ah, c'est pour ça que le petit roux, là, quand je le vois le matin à l'école, je fais, oh punaise, je vais t'embarquer, toi! J'imagine même pas. J'en ai parlé à Doudou. Oh là là, c'est mort. La tête de Bella si je ramène un chat. Quand j'étais petite, je vadrouillais dans mon village toute seule pour aller jouer. Maintenant, tu oses presque plus laisser sortir tes mômes dans le jardin de ta maison sans surveillance. Ah non, moi j'étais complètement livrée à moi-même. Je faisais des kilomètres tout seule. On habitait dans un lieu-dit. Ouais. J'avais pas de voisins, parents agriculteurs, donc jamais là. Et ouais, complètement livrée à moi-même. Du coup, bah, j'allais valdinguer dans les bois. On habitait à côté d'une cimenterie, donc ça m'est déjà arrivé d'aller dans les champs de mine, c'est dire. Ou sinon, j'allais jusqu'au pont au-dessus de l'autoroute et je faisais coucou aux camions, aux voitures. Ça, j'aimais bien y aller. Enfin voilà quoi, mon enfance. Ou sinon, j'allais sur le chemin de fer. J'aurais pu mourir what mille fois en fait, quand j'y pense. Mais ouais. J'allais jouer, voilà, sur le chemin de fer. Voilà, j'avais pas d'amis, j'étais toute seule. Que 3 chaînes de télé et encore ton père te piquait le fil de la télé, donc tu pouvais même pas regarder les pauvres, la 1 ou la 2 ou la 3, tu pouvais même pas regarder, il t'avait piqué le câble de la télé parce que voilà, il veut pas que tu regardes la télé. Mais bon, tu te fais yèche, hein, clairement. Donc non. J'ai risqué ma vie plusieurs fois. Ou sinon, bah, je traîne avec mes vaches. Voilà. Je faisais dodo avec elles. J'aurais pu me faire écraser aussi. Par une vache.
Ah, mais on est toujours là. Il n'y a pas autant de tarés. Ah, bah, il y en avait quand même, je pense. Mais non, on est toujours là, oui. Toujours debout, toujours vivant. Renaud, si tu m'écoutes. Big Non, c'est pas possible. Au secours. Ah oui, du coup, mon crayon, il a plus de mine. Ah, bah oui. Oh là là, je vais ouvrir un cimetière. Je vais avoir un cimetière de mine. Tristesse, paix à son âme. Hop là. Ouais. Il faudrait que j'aille me faire à manger. Un petit bout. Et que je revienne pour... Je sais pas si je coupe le stream ou juste je fais... Je mange juste un petit bout, c'est histoire de... Et je reviens. Ce message aussi. On my side, to the west, I've got time. Into the east, side, to the west, on my side. Into Non, j'avais pris celui-là, je crois. Non. Merde, je sais plus quel crayon j'ai pris. Non, non, du coup, ce soir, faut pas que je parte en retard, faut que je passe le colis de Fifine. L'autre. L'autre. Les tâches, j'avais pris un violet, je crois. Oh, je sais plus. Peut-être celui-là. Celui-là. Je sais plus ce que j'avais pris. C'est lequel? 50.
Ça. Du coup, je sais pas détailler. Ready to go. Je vais mettre moins pointu. If you can't be what you want. Me casse pas la mine, s'il te plaît. Matin, voilà. Bon, là, elle. Non, lui. Ah, j'arrive vraiment pas. Hein. Ça me perturbe. Hein. On a été habitué à être Jean Reno. Oh, je suis encore galéré pour son oreille. Il est où? Ah non. Lui, c'est vert à l'intérieur. What you want. Alors, mon vert foncé. Chest. Maybe what you want. On nous a tellement habitués à nous dire que le rose c'était pour les filles et le bleu pour les garçons. C'est compliqué. Voilà. Ah. Tic tac, tic tac, tic tac. Ouais, il va falloir que j'arrive à faire un truc à manger. Ça grogne. Ouais, tu pourrais prendre dans les réserves hein, quand même, t'abuses. Hein. Franchement, t'as de quoi faire. Hein. Arrête un peu là. Ça crie famine là. Non mais. Il se moque de qui lui? Pêche. Top figure. 50 cents, Justin. They. Shh. I wanna get to. I wanna. Encore là, on le voit qu'il y a un côté plus taillé que l'autre. Enfin, un coup de vent, je pars pour les courses. Si jamais je repasse, bon après-midi. Si tu, jamais tu repasses pas, ouais, bon après-midi, des bisous, des gros bisous, Kaël. Bonne course, craque pas trop. Vision new ways, new ways to skip together, maybe we can start a new face. Qu'est-ce que tu fais là, petit Robin? On ne sait pas. Over here. Hey, no, I'm tired of using technology. I'm tired of technology. Moi, je vais me faire un petit sandwich. Ça ira très bien. She wants it tough. I wanna get it too. Et je vais aller prendre du Pivalone.
Je vais le chercher. Déjà. Après, on verra. Si j'ose mettre ça dans ma narine. Dans mes narines. Donc, le milieu est beaucoup plus dark. Je vais le voir en live. Est-ce qu'il existe vraiment? N'est-ce pas un mythe? Une légende? La légende urbaine du Pivalone. Tu cherches pas après. Tu te couches pas après avoir mis le Pivalone. Non, 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 mais je reviens. Je vais manger vite fait. Et après, je reviens. Together, maybe we can start. Parce que normalement, je suis censée attaquer le live à 14h, donc c'est pour ça. Pas de soucis, je reviens d'ici 14h, mesdames et mesdames. Technology. Je pense que je vais prendre le. Ah là. Les sens sont dehors. Je trouve que ça sèche encore plus vite là-dessus. Je sais pas si c'est dans ma tête, mais j'ai vraiment l'impression que ça sèche moins vite sur un coton-tige. Non, je me couche pas pour avoir mis du pivalon. Je fais pas la sieste aujourd'hui. J'aime pas mes oreilles. Grinch, gros nez rouge. Bon, est-ce que je peux vous envoyer chez quelqu'un? Même si je reviens dans pas longtemps. On va faire un petit raid. Qui est même. Ah bah. Il n'y a personne. Il n'y avait pas Ava ce matin. Ah bah oui, j'ai plus personne. J'ai Captain Iglo. Il m'a raid la dernière fois, donc je vais juste le raid. Voilà. Hein? À donner pour un rendu. Il est en train de streamer du jeu, je pense. Moi, je vous dis tout bas dans peu de temps, de toute façon. Hein? Je vais juste aller manger un bout, vérifier ma boîte vocale et peut-être prendre rendez-vous pour ma voiture. Mais voilà. On se retrouve tout à l'heure. Des bisous.